Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de l'identité dirigé par Henri Dubost, assisté d'Alissa Béranger, diffusé en direct vendredi 5 janvier 2018 de midi à 13h30 et réalisé par Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie courtoisie.fr. Chers amis de Radio Courtoisie, très heureux de vous retrouver à l'écoute de ce libre journal de l'identité. Je remercie notre technicien euh, Adrien ainsi que les secrétaires qui prendront vos messages. Tous mes voeux pour euh, commencer cette nouvelle année, tous mes voeux à titre personnel à chacun d'entre vous, amis auditeurs, et tous mes voeux, mais là c'est peut-être une autre histoire pour notre euh, pays. Euh, continuons le combat. Bien, euh, deux invités dans ce libre journal, deux invités présents dans le studio. Pierre Hillard, bonjour. Bonjour. Et tous mes vœux. Merci, bah écoutez, n'ayons pas peur des mots. Eh bien, voilà, exactement. Continuons <laughs> le combat. Pas eh oui, voilà. voilà. <laughs> Pierre là vous avez fait paraître en mars 2017 un atlas du mondialisme que j'ai sous les yeux aux éditions Le Retour aux Sources. Euh, superbe ouvrage de quelques 310 pages, me semble-t-il, à peu près. Plus, oui. Richement illustré, avec énormément de, de cartes. Euh, très nombreuses cartes pour la modique somme de 45 euros. Et franchement, quand on voit le travail éditorial que ça représente, oui. c'est absolument. C'est un, un prix euh, défiant en toute concurrence, j'imagine. Oui, oui, en effet. Donc, euh, c'est un ouvrage peut-être maintenant de référence euh, sur le mondialisme, puisque je crois que vous êtes euh, un précurseur dans ce, dans, ce, dans ce domaine. On verra ça à l'épreuve du temps. Voilà, tout à fait. Et en tout cas, c'est un, un ouvrage remarquablement sourcé. Euh, je, je peux le, le garantir, je l'ai lu en, en détail. Paul Ligeon, bonjour. Bonjour. Paul Ligeon, vous êtes, alors tous mes vœux également, bien sûr. Merci. Euh, vous vous qualifiez vous-même de euh, chercheur indépendant, chercheur indépendant sur le sujet dont nous allons parler, à savoir le Talmud. J'ai intitulé cette euh, conversation que nous allons avoir euh, ensemble euh, Le Talmud, c'est inconnu. Euh, vous avez une qualité euh, émérite pour euh, parler du Talmud, Paul c'est que vous l'avez lu. Oui. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens qui en parlent. Exactement. Donc soyez le bienvenu pour pour ça. C'est une preuve d'honnêteté intellectuelle à euh, minima, mais elle n'est pas toujours euh, pas toujours assurée. Et je crois savoir également que vous l'avez lu intelligemment, ce qui ne gâte rien. Et donc merci de euh, faire part, de venir faire part à nos auditeurs de votre euh, science euh, talmudique. Et naturellement, Alice Béranger, merci de m'assister encore. Pour cette émission. Bonjour et tous mes voeux aussi. Bonjour Henri, et puis une excellente année à vous et puis aux auditeurs. Mmh, très bien, je pense qu'ils seront sensibles à ces voeux. Je crois savoir, Issa, que le Talmud ne vous est pas étranger, c'est bien ça hein Alors, euh, pas vraiment le Talmud, mais plutôt euh, la mystique juive et puis euh, tout ce qui est euh, d'ordre de la Kabbale qui s'ensuit. Mmh, très bien, donc si vous souhaitez in intervenir dans nos débats, n'hésitez pas. Et donc enfin, vers 13h10, eh bien, je recevrai le général Antoine Martinez par téléphone, comme d'habitude, pour sa traditionnelle tribune sur le thème Défense des racines chrétiennes de la France. Donc un thème, un thème actuel et éternel. Pierre Hillard, beaucoup d'ouvrages, donc je l'ai dit, ont traité de, de la mondialisation, mais vous êtes un novateur en matière de mondialisme, puisque c'est le premier atlas du mondialisme et non pas de la mondialisation. Donc vous êtes novateur. Donc. Disons que j'ai voulu en effet faire quelque chose qui ne soit pas, comment dire, une, un rappel de choses qui ont été dites et répétées. Euh, définir et établir la distinction entre mondialisation et mondialisme, je, suis toujours, je le dis toujours, mondialisation, c'est un phénomène naturel d'échange euh, entre les pays, entre les hommes, de biens, euh, déplacements, tout genre des hommes, en fonction du développement de la technique. Depuis bon. le néolithique, on est mondialiste. Voilà. On Mondial, est, non, euh, voilà. Pour la mondialisation. Voilà, pour, on pratique la mondialisation. Voilà, Christophe Colomb, bon, ben, il a étendu les, les échanges de la mondialisation, découvert l'Amérique. Mmh. On enlève peut-être le cas des Vikings on, avec Eric le Rouge. On peut peut -être mmh. Enfin bref. <laughs> euh, le mondialisme, c'est différent. Euh, est, si j'avais à résumer d'une manière euh, brutale, le mondialisme, euh, c'est un messianisme qui est directement issu euh, du, du corpus judaïste almudique qui s'est construit, pour faire court, entre 100 et 500 après Jésus-Christ, euh, sous l'impulsion, entre autres, du rabbin Akiba. Et il s'est construit en opposition à une religion qui est montée en puissance au sein de l'Empire romain, le catholicisme. Et euh, l'élément clé qu'il faut comprendre dans ce mondialisme, c'est que ce judaïsme talmudique s'est construit donc en opposition au catholicisme, et il s'est construit et pour bien comprendre l'élément clé, il s'est construit en opposition au principe de l'incarnation, c'est-à-dire le Christ Fils de Dieu incarné avec le principe de la Sainte Trinité. Euh, Traité par les, 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 les Juifs et ensuite par les musulmans comme un polythéisme, un trithéisme. Et donc, pour comprendre ce nouveau judaïsme qui s'est mis en place à partir du rabbin Akiba, euh, il faut euh, comprendre et connaître le catholicisme traditionnel. Pas le catholicisme conciliaire né de Vatican II, qui est euh, un catholicisme d'Israël, pour reprendre une expression du rabbin Ben Amozeg. Euh, donc, bien comprendre ça, que le mondialisme, c'est la volonté euh, d'établir un concept effaçant le, le principe catholique de l'intermédiaire, intermédiaire catholique dans le domaine spirituel et politique, spirituel avec le prêtre, qui est le transparent du Christ, jusqu'au pape, qui est le vicaire du Christ, et dans le cas des, des monarchies en Europe, et entre autres la monarchie française, euh, qui est le, le, la, la première nation d'Europe occidentale. La, euh, se convertir au catholicisme avec le baptême de Clovis, le principe du roi de France, lieutenant de Christ l'intermédiaire euh, de donc de Clovis jusqu'à Louis XVI et donc ce principe de l'intermédiaire catholique spirituel et, et politique doit être effacé au profit d'un autre intermédiaire qui est le peuple juif peuple prêtre intermédiaire unique entre le Dieu 1 et le reste de l'humanité non juive régi par les lois noachides alors nous allons en parler de manière beaucoup plus c'est cette bien humanité sûr. non juive étant considérée comme les prosélytes de la porte au seuil d'un temple rénové voilà, c'est vraiment ultra résumé. Donc effectivement, nous, nous avons bien compris votre, votre propos. Euh, la moitié du livre est consacrée à cette, à cette approche. Enfin, je pense que On est effectivement, vous avez un chapitre 7 euh, dans lequel vous euh, parlez euh, Talmud aussi, puisque, <laughs> et sans rien, sans rien défricher par rapport à mon deuxième invité. Euh, Kabbal, euh, vous parlez de, de, la, de, la de, la place, de la place du, du peuple juif comme, pla, comme peuple élu, mais également salvateur. Et je peux citer, euh, c'est dans le livre, à la page 191, une citation du rabbin Abraham Cohen. Je le cite Rien n'est plus naturel dans une littérature composée par des juifs pour des juifs que l'exceptionnelle prééminence donnée au peuple d'Israël. En effet, les habitants du monde peuvent être répartis entre Israël et les autres nations prises en bloc. Israël est le peuple élu, dogme capital. C'est évidemment une doctrine biblique, mais les rabbins l'ont amplifiée à l'infini. Partout le Talmud insiste expressément sur la parenté étroite et unique qui existe entre Dieu et son peuple. La relation qui unit Israël à Dieu est si intime que la manière dont Israël est traité sur la terre a sa répercussion sur Dieu dans le ciel. Cohen. Donc tout est sourcé, hein. Je crois que vous avez oui, y y euh, presque 600 un, de bas de page. Oui, en effet, c'est ouais. assez. Donc, don beaucoup de sites internet, évidemment, maintenant. Ça de sites officiels, évidemment, sûr. Euh, ouais, ouais. pas des, des choses privées, toujours mmh. officielles. Tout à fait. Écoutez, je vous propose de commencer quand même un petit peu par le, par le début, à savoir par le chapitre 20. Il faut euh, voir. Euh, vous consacrer <coughs> euh, de manière assez symptomatique ce chapitre 1 à l'Allemagne. Euh, et c'est-à-dire, euh, Pierre-Hilar, que pour euh, parodier la, la maxime de Clausewitz, euh, l'Europe de Bruxelles est la continuation du pan-Germanisme par d'autres moyens. Alors il faut savoir que tous les textes, textes clés de la construction européenne, officiellement européens, sont en fait allemands. Euh, que ce soit la Charte de l'Union régionale, la Convention 4 pour la protection des minorités, la Charte européenne autonomie locale, la Charte de la régionalisation la coopération transfrontalière appelée Traité de Madrid, Charte de Madrid, pardon. Euh, tous ces documents sont allemands. La finalité, si on va jusqu'au bout du, du processus, c'est de créer une Europe des régions, ou plus exactement une Europe des euro-régions. C'est-à-dire que les, les régions ont de plus en plus de pouvoirs, politiques, administratifs, financiers, très de moins en moins avec euh, l'État, Français pour l'Alsace, euh, Piémont pour l'Italie, et très directement avec Bruxelles. Les courts-circuits. Euh, Donc les, les fonds, fonds en... structurels sont directement... Et euh... les fonds structurels, euh, et dans ce domaine-là... Alors les fonds structurels, d'abord il faut dire que c'est une euh, somme d'argent euh, colossale, oui, plus 300 oui. milliards d'euros, oui, oui. euh, pour la période 2014-2020, attribués aux régions, plus ou moins développées économiquement, pour les aider à... Et par-dessus les États, voilà. c'est bien mais ça. Mais le problème dans le cas français, et c'est le gouvernement Raffarin en 2003 qui a, qui a ouvert la brèche, c'est que cet argent qui était initialement donné à l'État, enfin au préfet, autorité de l'État, a été à partir de 2003 pour la, le Conseil régional alsacien, donné directement donc à l'Alsace, court-circuitant l'autorité euh, du préfet, l'autorité de l'État. Et c'est le président Hollande qui, dans ses promesses électorales en 2012, avait dit que ce processus serait étendu à toutes les régions françaises, chose qui a été faite à partir de janvier 2014, où toutes les régions françaises traitent directement avec Bruxelles. Donc, l'autorité de l'État saute, et qui plus est, Hollande a réduit les régions françaises de 22 à 13. Donc, euh, bien comprendre, on concasse, on fait des blocs régionaux, on fait disparaître les frontières étatiques euh, représentant la souveraineté de l'État au profit de frontières administratives, et c'est le, le travail d'un institut européen qui s'appelle l'Arf l'association des régions frontalières européennes, créée en 1971. Tous ses fondateurs sont allemands. Un de ses présidents s'appelait Wolfgang Schäuble, qui était à un moment donné donc ministre des Finances du gouvernement Merkel. Et l'objectif dans les textes officiels, c'est certes de favoriser la coopération transfrontalière, principe qui est bon en lui-même, attention, il euh, faut coopérer euh, entre pays, ça, ça va de soi. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt, le, le texte officiel, c'est de transformer les frontières d'État en fer c'est-à-dire en frontières administratives. Et donc, vous avez les frontières franco-espagnoles, franco-italiennes, germano-polonaises, germano-françaises, etc., qui deviennent frontières administratives, primauté aux données aux régions, et ensuite ces régions... On les, comme la pâte de on remodèle ça pour créer des blocs régionaux, Alsace, Pays de Bade, euh, le, le Piémont avec euh, Rhône-Alpes, etc., pour créer des départements, si je puis dire, c'est-à-dire des entités territoriales artificielles, mais à l'échelle européenne. Donc, vous dites qu'essentiellement, fondamentalement, le projet européen, ou européiste plutôt, c'est un projet ethniciste. Est-ce que vous pourriez de le dire Alors, oui, un... parce qu'à partir du moment où vous faites, à ce fait des choses, la promotion, par exemple, de la Convention 4 pour la protection des minorités et des groupes ethniques, les Völkergruppen, eh bien, vous favorisez l'émergence, non pas. Des identités, chose à laquelle euh, j'adhère à la protection des identités. Parce que, au même titre que les êtres humains sont divers, il ne faut pas uniformiser, il faut respecter les, les identités. En revanche, c'est une promotion d'ordre racial qu'on voit. Plutôt ethnique, raciale peut-être. Ethnique, raciale. Vous savez, à partir du moment où on commence à fricoter avec l'ethnique, le racial n'est pas très loin. D'autant plus, c'est que le fait de promouvoir les groupes ethniques, qu'ils soient catalans, flamands, etc., inévitablement, on va favoriser la reconnaissance de groupes ethniques de populations extra-européennes. Si à partir du moment où on reconnaît des droits aux Catalans, aux Basques, etc., eh bien, ces populations extra-européennes vont exiger des droits linguistiques, Territoriaux, lorsque vous avez le 93 qui est peuplé, quand même, majorité, majoritairement de population. La Seine-Saint-Denis, monsieur. Oui, Seine-Saint-Denis. mais je dis 93 pour le département, <laughs> oui, oui, évidemment. Sûr, bien sûr. Eh bien, inévitablement, il va y avoir des, 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 comment dit, une reconnaissance. Je vais vous citer un, un cas bien précis, et on en parle très peu, et j'en profite pour le dire à Radio Courtoisie. Vous avez une méthode, et j'en parle à la fin du, de ce livre, une méthode. De dire scientifique pour connaître exactement euh, la représentation de la population extra-européenne en France. Vous avez une agence gouvernementale française qui s'appelle la FDPHE, association française d'épistage de prévention des handicaps de l'enfant. Bon, qui s'occupe de cinq maladies concernant les nouveau-nés. Parmi ces cinq maladies, vous en avez une la drépanocytose alors que dit cet institut Eh bien, ça, ça traite donc des problèmes euh, globules rouges. Et il précise que ce, ce, ces problèmes de santé touchent essentiellement des populations arabes et subsahariennes. Donc, depuis 2000-2001, euh, vous avez un test obligatoire pour tous les nouveaux-nés sur, ce, sur cette maladie. Et ce test, on le fait à qui À toute personne originaire de ces contrées. Donc, le, les, les dernières données, celles de 2016, donnent presque... 40% des naissances en France avoir ce type de, de test. Et dans le cas de l'île de France, soit presque 75%. Le taux le plus faible, c'est en Bretagne, avec presque 10%. Sinon, c'est 42, 5, 45, 50%, Rhône-Alpes, etc. Donc, on a une photo. Eh bien, ces populations. Excusez-moi, oui, mais effectivement, bah, je précise simplement que F2Souche à ah, parler du problème. De ils, ont, à, ils en ont parlé effectivement. Effectivement et, et, et c'est factuel. cest oui. Ah ben oui. C'est-à-dire ah. que voyez-vous, euh, il faut toujours. De... Il y a des sujets délicats que ça soit la construction européenne, que ça soit le rôle du Talmud euh, ou la, la, le messianisme juif euh, dans, dans l'histoire dans, dans de, de, de l'humanité. Quand on lit par exemple les, les, les livres de cet universitaire juif anglais, professeur Oxford comme Cecil Roth, qui explique par exemple le rôle du judaïsme, euh, par exemple avec Menassé Ben Israël, avec Cromwell au XVIIe siècle, ce sont des sujets délicats. Donc il ne s'agit pas de tomber dans l'invective, il s'agit d'établir de, des faits. Euh, et le coût de la drépanocytose est un élément révélateur du mutation. Bien, vous pensez bien que ces populations extra-européennes, qui, pour beaucoup d'entre elles, méprisent la France et les pays européens, et ma foi, je ne leur jette pas la pierre, comment euh, bon, essentiellement ces populations musulmanes peuvent-elles respecter un pays euh, qui organise une gay pride et compagnie et qui mettent en valeur des Konchitavurts, eh bien je comprends les musulmans qui ont peu de considération pour un pays et vont pas chercher à être assimilés et dont le président de la République parle de crimes contre l'humanité concernant la colonisation. C'est oui, une invitation à oui, être violent, on va bah dire, oui. pour le moins. Euh, surtout qu'on a envie de dire que. Euh, alors, je parle de la colonisation française. Les, les Anglais, en, en termes de vacherie à l'égard des populations, oui. les Australiens, enfin les Aborigènes ou les Maoris euh, ou les Indiens d'Amérique du Nord, il valait mieux être colonisé par les Français que par les Anglais. Hein. D'ailleurs, c'est bien simple. Euh, je pense pour l'Amérique du Nord, euh, les Indiens, les tribus indiennes étaient pour la plupart d'entre elles du côté des Français. Et un de ces grands chefs indiens au XVIIIe siècle qui a lutté contre les Anglais et qui a espéré de tout que revoir les Français, c'était le fameux Pontiac qui a donné son nom à une marque de voiture. Bon. Et les, les, les Anglais sont des, des, des vrais pots de vache, hein. ce côté-là, bah, c'est le côté racialiste euh, méprisant. Euh, les Français, euh, ah, il y a eu évidemment des, des, des cas euh, français qui ont eu un comportement pas toujours correct, ça c'est sûr. Mais euh, les Français, il n'y a pas de secret. Euh, moi je constate une chose, lorsque ils sont arrivés en Algérie, Déjà, l'État algérien n'existait pas. Mmh. L'Algérie, c'est une création de, de la France. Vous aviez, en gros, chiffre 1,5 million, 2 millions d'Algériens, de, enfin, de futurs États algériens. Et euh, en 62, au moment de l'indépendance, vous aviez entre 9 et 10 millions d'Algériens, sauf que la population a été multipliée par 5 ou 6. Bon, je pense que, quand même, euh, ces Algériens ont dû bénéficier des soins apportés par les médecins français, etc., comme de l'ensemble de l'Empire euh, colonial français. Je reconnais qu'il y a eu sûrement à titre individuel des comportements français peu corrects, mais sincèrement, l'anthropophagie a été quand même sacrément réduite quand les Français étaient là. L'esclavage aussi, et c'est quand même pas l'effet du hasard. Si on revoit l'esclavage en Libye, l'état moribond au Libyen. Je vous propose une petite devinette. Euh, J'ouvre les guillemets. Euh, L'Allemagne ne sera véritablement l'Allemagne que, que lorsqu'elle sera l'Europe. Alors, euh, pierre là, vous connaissez la réponse. Donc, vous n'avez pas le droit à la parole, bien sûr. Euh, Est-ce du Woody Allen, du Pierre Dac, de l'Angela Merkel ou du Adolf Hitler Eh bien, euh, c'est Adolf Hitler, et eh oui. <laughs> mais ça ressemble à du Angela Merkel. Euh, mais euh, lorsque on, on voit... Euh... Comment dire, la construction européenne, on se rend compte qu'il y a une permanence. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que. Il faut bien comprendre que la Révolution française, pour remonter un peu aux racines, et Napoléon, surtout Napoléon en répandant à la prochaine Révolution, a humilié les Allemands. Alors, déjà, vous avez la disparition du Saint-Empire romain germanique de 350 États à 39, je crois, pour la Confédération du Rhin en 1815. Donc, déjà, on s'entend mieux à 39 qu'à 350, 400 duchés, royaumes et principautés. Mais vous avez eu, donc, dans la première moitié du 19e siècle, une volonté d'unifier l'Allemagne partout où l'on entend la langue allemande. Et donc vous avez déjà, avec la Révolution de 1848, une volonté de créer une, un Reich. Et vous avez en particulier un article de cette constitution qui va donc échouer, où il y avait une volonté d'unifier tous les Allemands en un seul bloc politique, mais aussi en intégrant des populations non germaniques euh, mêlées aux populations euh, allemandes, les, les, les Tchèques de Bohème-Maravie, par exemple. Donc, on a eu dès le, la première moitié du XIXe siècle cette volonté d'unité euh, allemande en lien avec une unité européenne. Et je cite en, par en particulier euh, les propos tenus par ces germanistes de la première moitié du XIXe siècle. Siècle, qui déjà voulait fédéraliser la France en cinq blocs, cinq blocs politiques, euh, dans, un, dans le cadre d'une Europe en, en voie d'unification. Donc c'est très intéressant de voir ça, de réserver une formule pour ça. Il disait Tout Reich est une fédération et toute fédération mérite le nom de Reich. Tout un programme. Ouais, en effet. <laughs> je vous propose d'avancer un petit peu dans votre. Dans ah, je votre vous voyage. suis. Euh, je passe directement au, au chapitre 6, si vous le souhaitez. Euh, chapitre 2 et 3, vous parlez de l'Union européenne, des fonds structurels. Nous en avons déjà oui. parlé. Petit rappel sur les États-Unis, peut-être. Peut-être un petit rapide. rappel sur les, les États-Unis, dont on apprend avec une certaine, euh, comment dire, on est, on est un petit peu surpris, qu'ils sont également victimes de, du mondialisme. Oui, je parle du peuple américain. Bien Exactement. sûr, euh, j'imagine. Tous les peuples, le peuple allemand, aucune, est aucune élite n'est victime de ce, la politique qu'elle qu met en place. Bien sûr. Tous les peuples, italiens, anglais, tous ces peuples sont. Et je, je, je montre en particulier cette volonté de, de Fracasser l'État américain. Alors, l'État américain est constitué de 50 États fédérés, Floride, Texas. Et volonté de fracasser les États-Unis, alors, selon les époques, en différents blocs régionaux. Ça a été dans 10 blocs, en 12. Et de, ça, ça commençait dès les années 30. Hein, et euh, et j'ai montré les cartes inédites à ma connaissance qui ne sont jamais sorties. Très riche en cartes effectivement. Oui, c'est un ouvrage remarquable. À, ça, de, oui. de cartes inédites. Euh, je cite un, un, en particulier le, la carte de la réforme territoriale du territoire américain avec l'executive order du président Nixon 11 647. En fait, il y en a eu plusieurs, mais je cite entre autres celui-là qui crée un bloc américain, un territoire américain en, en dix blocs régionaux. Et tout ça en vue d'une, comment dire, d'un bloc nord-américain. D'abord, des États-Unis se fondant dans un bloc nord-américain, puis ensuite ce bloc nord-américain se fondant dans une gouvernance mondiale. Mais le problème, et il faut bien voir que les oligarchies, se sont, il n'y a pas un bloc monolithique, il y a différentes factions, et en particulier dans le bloc américain, vous avez une faction qui est pour l'intégration des États-Unis dans une gouvernance mondiale, mais en conservant des droits particuliers, et c'est en particulier, ça a été vu... Par euh, comment dire une faction oligarchique qu'on pourrait alors je le dis avec beaucoup de prudence voir chez Donald Trump quand il dit euh, euh, America First, quand il dit en particulier dans un, dans des propos tenus dans le Wall Street Journal en avril-mai 2017 euh, qu'il est nationaliste et globaliste très intéressante, c'est-à-dire une nation américaine suffisamment forte pour peser dans un monde unifié. Et puis, vous avez un autre, une autre faction oligarchique, c'est Obama, Bush, etc., et Hillary et et Clinton, qui, eux, veulent, en fait, euh, les États-Unis comme à la pointe de cette gouvernance mondiale. En fait, vous avez deux branches du mondialisme. Le mondialisme unilatéraliste dirigé, enfin, promu et eh, encouragé par les, les Obama et Bush, où ce sont vraiment les États-Unis qui mènent la danse, et euh, comment dire, le mondialisme planétarien qui, lui, est défendu par Poutine, qui veut des blocs régionaux où chacun a sa part du gâteau, et les intérêts de chacun respectés. Et vous avez donc au sein de ces oligarchies des bagarres internes, au sein des oligarchies américaines, russes, iraniennes, anglaises et israéliennes, et françaises, évidemment. Hum. Je reviens un petit peu en arrière. Euh, J'aurais euh, voulu que vous fassiez un petit portrait de Richard Koudanov-Kalergi. Évidemment, euh, une figure marquante du mondialisme. Alors, Richard de Koulien-Kellerji, situé dans le Kellerji. Kellerji, il est né en 1894, mort, il meurt en 1972. Il appartenait à la haute aristocratie hongroise Et il avait cette particularité c'était un Eurasien. De père autrichien, était diplomate à l'ambassade d'Autriche-Hongrie au à Tokyo, et de mère japonaise. Et c'est très intéressant de voir ça, parce qu'étant né à Tokyo, il. D'abord, il était différent, je veux dire, physiquement de, des autres membres de sa caste aristocratique. Mais le fait d'être né à Tokyo, il avait une différence de, de, de vue, il avait une vision planétaire, à la différence de la caste aristocratique austro-hongroise, qui, elle, avait une vision beaucoup plus euh, restreinte, balkanique. Et euh, il fait un doctorat en philosophie en 1917, et au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il va lancer la création de la Pan-Europe. La Pan-Europe qui a pour but d'unifier l'Europe, mais là aussi dans le cadre d'une gouvernance mondiale. Il y a entre autres, et j'ai cité, euh, les propos qu'il a tenus euh, dans le cadre de la SDN pour un, tout un projet de réorganisation euh, planétaire. Et c'est très intéressant de voir que euh, la, la Pan-Europe défend des principes ethniques, euh, avec euh, une autonomie politique, économique euh, des groupes ethniques et. Et on en revient au premier chapitre, ce n'est pas l'effet de hasard. Alors je rappelle que la Pan-Europe, vous avez des sub subdivisions Pan-Europe France, Pan-Europe Italie, Pan-Europe Allemagne, comme par hasard. Les, on en revient donc à ce qu'on disait au début les fameux textes, de la Convention 4 pour la protection des minorités, la chaire des langues régionales. Et minoritaires. Et minoritaires. L'arabe le... deviendra une langue minoritaire un jour, j'imagine. Ah, <laughs> Tôt ou tard, euh, de moins en moins. De moins en moins, ouais. euh, bah oui. oui, euh, voilà. Et le, le, tous ces textes-là ont été en grande partie encouragés par les présidents de la Pan-Europe Allemagne comme Zygbert euh, Albert, par exemple. Donc c'est très intéressant de voir l'euro de la Pan-Europe pan en faveur d'une de, Europe des régions et des groupes ethniques. Et il faut savoir, et auditeur de Radio Courtoisie, le, le mal est profond, le, je montre, et j'apporte évidemment les, les sources, documents officiels, que dans les années 60, le trésorier de la Pan-Europe France s'appelait Georges Pompidou. Donc, et c'est Georges Pompidou à la mort de Koudaïnov en 1972 qui va proposer son successeur Otto de Habsbourg. Donc l'ami euh, Pompidou était un personnage très important. Je rappelle la fameuse loi de janvier 73 euh, qui fait que euh, Pompidou Rothschild, euh, ouais, Pompidou Rothschild mmh. qui euh, fait en sorte que euh, la, la Banque de France n'est plus vraiment la banque au service de la France, mais au service de euh, l'oligarchie. Je vais pas plus loin, mais mmh. bon, voilà. Chapitre 6, un chapitre ambitieux, puisque, euh, Pierre là vous vous, vous vous proposez de trouver l'origine des tribulations dans lesquelles est plongé le monde islamique euh, depuis, euh, dites-vous, plusieurs générations. Alors, écoutez, je vous propose d'être bref sur ce oui. sur ce chapitre, parce que nous en avons euh, amplement parlé au ce micro en novembre dernier avec Youssef Indi, que vous citez d'ailleurs dans votre dans votre ouvrage. Oui, je l'ai cité. Et euh, amis auditeurs, si vous voulez avoir uh, cette émission uh, sur Internet, et bien vous tapez uh, sur n'importe quel moteur de recherche Indi H I N D -I, Radio Courtoisie. Et donc vous avez cette, uh, cet entretien uh, absolument uh, tout à fait remarquable. Euh, un mot quand même sur la déclaration Balfour, puisque euh, je crois que vous avez vous fait des révélations dans votre livre sur la, révélation de la déclaration Balfour. Oui, ah, euh, qui donc la reconnaissance par le gouvernement britannique d'un foyer juif en Palestine. Euh, il faut bien comprendre que cette chose-là n'est pas arrivée de manière gratuite. On est en pleine guerre mondiale. Les Allemands quand même euh, euh, mènent le bal. Ils arrivent d'ailleurs à couler tellement de bateaux euh, anglais, enfin des, des bateaux alliés, que l'Angleterre vacille. Et j'ai apporté un document inédit. Euh, en tout cas, on ne peut pas dire qu'il a été vraiment euh, révélé, mais c'est un document du gouvernement britannique de juillet 1937, de la Commission Peel, un rapport de plus de 400 pages, qui explique. Et c'est le ministre anglais de l'époque, Lloyd George, qui a été premier ministre de l'époque, donc de 1916 à 1922, qui explique que les sionistes de l'époque ont dit au gouvernement allié qu'ils étaient prêts à favoriser la bascule des Américains, enfin des États-Unis, euh, du côté anglais-français, à condition que les alliés reconnaissent l'existence d'un foyer juif en Palestine. Et Lloyd George termine en disant, they kept their word, ils ont tenu parole. Et chose très intéressante. Et on en parlera peut-être tout à l'heure. Il faut bien comprendre que dans le monde juif, et le monde sioniste en particulier, il ne faut surtout pas les voir comme des, un bloc monolithique. Vous avez des factions rivales. Et ce document, qu'est-ce qu'il révèle Il explique que, en fait, vous aviez une bagarre entre d'un côté les sionistes allemands, qui voulaient et reconnaissaient, qui cherchent à promouvoir l'existence d'un foyer juif en Palestine dans le cas de l'Empire ottoman, mais sous la direction de Berlin. Et qui, se, qui faisait une bagarre acharnée contre les sionistes français, anglais et américains qui voulaient la même chose, foyer juif en Palestine, mais sous l'accent de la City de Londres. Et c'est très intéressant de voir dans ce document que je cite et que j'ai traduit, la bagarre à mort entre ces factions juives. Très révélateur. Et bagarre euh, qui, on peut le voir aussi dans un autre domaine, euh, dans le cas de la NEP, euh, régime bolchevique, stalinien, où vous aviez des représentants de la NEP dirigé donc par des juifs, qui vont euh, être mis à bas par les représentants juifs envoyés par Staline. Conclusion de votre chapitre 6, euh, je vous cite, le sionisme n'est que la énième tentative, sous couvert laïque, de satisfaire un idéal spirituel et identitaire. Est-ce que vous rejoignez... Euh, oui, vous rejoignez tout à fait les, les conclusions de Youssef Indy. Euh, oui, en, en cette, euh, en euh, Yous matière. Youssef dit des choses tout à fait justes. Euh, L'élément que je rajoute, qui à, qui à mon avis ne cite pas, euh, c'est qu'en fait, ça a commencé dès, en gros, l'an enfin, 132-134, avec Shimon Bar-Koba, qui voulait flanquer à la porte euh, les Romains euh, de Palestine, qui voulait reconstruire le Temple et qui se présentait euh, comme le, le, le messie. messie. Donc on a déjà, avec et soutenu par le rabbin Akiba, entre autres, et donc on a déjà l'ébauche du sionisme avant l'heure, qui ne dit pas son nom, mais en gros, on a le profil, en gros. Le Grand Israël, c'est un projet qui semble quand même démesuré. Est-ce que vous partagez l'avis de Gershom Scholem nous, nous allons en parler un petit peu, Gershom Scholem, parce que vous le citez abondamment, qui parle de l'hubris, oui. de la démesure juive oui. Est-ce que vous partagez cet avis bah, Vous savez, euh, la, comme disait Talleyrand, la vraie force est de savoir se limiter. Mais c'est d'abord situer géographiquement le Grand Israël. Très intéressant de voir que Theodor Herzl, dans ses carnets personnels, volume 2, page 711, précise que le grand Israël doit aller des rives du Nil... À l'Euphrate. Et pour un, le sioniste qui se dit officiellement laïque, c'est très intéressant de se voir qu'en fait, il se réfère à une référence biblique 15-18 où Dieu donne Abraham, tous ces territoires. Donc, euh, en fait, c'est une des mesures parce que pour aboutir à cet idéal, il faut déjà casser les États qui font partie de cette zone. Et c'est rap... bien parti. Et, bien parti. <laughs> Et je, très rapidement, je rappelle cet élément clé avec ce qui se passe en Arabie Saoudite, avec euh, donc ma ben, ben Salman, qui veut mettre une, un territoire qui s'appelle Néon au nord-ouest de. De l'Arabie Saoudite du côté de la Jordanie, et qui, euh, qui est une sorte de bienvenue à Gataga, une sorte de cité ultra moderne, et qui correspond comme par hasard à la zone du Grand Israël. Bien, malheureusement, le temps passe très très vite, Pierre Hilar, dont j'aborde le chapitre 7, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je sais. Euh, vous parlez, euh, vous consacrez de, de longs développements dans ce chapitre 7 au Talmud et à la Kabbale. Je vous propose de sauter un petit peu ces développements parce que nous allons en, oui. en parler un petit peu avec, oui. mon, deuxième, même beaucoup, avec mon deuxième invité. Euh, je proposais de faire un, un portrait de Gershom Scholem, mais malheureusement, non. je crois que nous n'avons pas le temps et donc euh, je citerai simplement un livre que vous euh, que vous citez beaucoup de Gershom Scholem le messianisme juif essai sur la spiritualité du judaïsme oui, entre autres, de 1800, oui. 1992 euh, c'est un donc Gershom Scholem apparemment est un, est un, est un acteur clé de la de l'intelligence de cette religion oui euh, en effet, alors je, je citais entre tout cas Shom Sholem, euh, j'ai lu quasiment tous ses livres, mais il n'y a pas que lui, il y a le rabbin Ben il y a le rabbin Cohen, etc. Euh, bien comprendre en fait qu'il y a, euh, depuis à peu près 2000 ans, un concept religieux et politique élaboré par ce que j'appelle la synagogue nouvelle, le judaïsme de, de cette époque-là, mute à partir de l'encens, hein, pour faire court, et qu'il y a un programme, un programme qui se manifeste par différents intervenants, alors, il faut, j'ai évoqué entre autres un événement capital que j'ai expliqué avec la réforme l'Orianique au 16e siècle, le lion de Safed, qui, qui est un élément capital, qui, la, euh, le, la réforme l'Orianique qui est la conséquence en fait, de, de l'expulsion des Juifs en 1492. Et ensuite, vous avez euh, bataille Isfi, vous avez euh, Jacob Franck et. En, pour bien comprendre la situation actuelle, je montre qu'en fait, par exemple, les néoconservateurs conservateurs euh, qui savent quand même pas mal le chaos sont les descendants, descendants spirituels, si je puis dire, de Jacob Frank, théoricien de la Révolution mondiale. Et en particulier, j'ai pu expliquer euh, que la Révolution bolchevique de euh, 1917 trouve ses racines en gros un siècle avant, avec les liens entre la monarchie euh, russe, le, le tsar Alexandre Ier. Qui va avoir une, comment dire, une volonté de syncrétisme, le dit lui-même, entre les, les juifs et les, les, les chrétiens, et qui va être très lié en particulier à F. Frank, la fille de F. Frank, mais aussi son ministre des Affaires étrangères, Nesselrode, qui va rendre visite lui aussi à F. frank Et d'ailleurs, j'ai apporté des, des informations inédites qui ne sont jamais sorties, euh, parce que j'ai bénéficié d'un ouvrage clé d'Alexandre krauss hart sur Jacob-Frank, qui est un ouvrage qui vient d'être traduit en français aux éditions Hades. Et j'ai eu le, la possibilité d'avoir ce document avant sa, sa parole et les originaux. Et le Nesselrode en question euh, était lié au monde de la finance par sa mère, qui était une demoiselle Gontard. Et les Gontard, les Rothschild, les Brentano, les Mullens et les Bettman étaient liés au franquisme. Et vous allez avoir entre autres, en particulier le, le petit cousin de Jacob Frank, qui s'appelait Junius Frey, enfin Moses de Brusca à l'origine, Junius Frey, qui va jouer un très grand rôle avec la mise en place des frères asiatiques et c'est son successeur Charles de Ascassel qui était l'arrière-arrière-grand-père de Nicolas II en ligne directe qui va prendre la suite et donc le monde de l'aristocratie allemande était très lié au monde du franquisme il faut savoir que Jacques, euh, Charles de Ascassel lié donc successeur euh, de Frey, avait un frère Guillaume de Ascassel les deux frères étaient les petits-fils par leur mère du roi d'Angleterre Georges II et le banquier personnel de Guillaume de Ascassel, c'était Rothschild. Donc, c'est très intéressant de voir des liens financiers, mais spirituels aussi, avec une la volonté de mettre en place ce qui s'appelait la Haskalah, les, les, les lumières juives, une sorte de, de, de judaïsme amélioré qui, en bonne course, vous donne un Éric Zemmour. <laughs> Bien. Écoutez, le temps passe, je l'ai déjà, déjà dit. Je vous propose de, euh, de passer à un aspect qui, pour moi, a été une découverte. C'est le. Une religion pour les goïnes que, que nous sommes, les que nous sommes, c'est le novachisme euh, sur lequel sur lequel vous, vous consacrez des, des développements tout à fait tout à fait intéressants. Alors contrairement au christianisme et, et à l'islam, le judaïsme n'est absolument pas prosélyte. Et je crois que euh, les, les juifs rabbiniques ne souhaitent pas que les gentils que nous sommes, les goïmes les non juifs, euh, deviennent, deviennent juifs. Donc il y a une volonté de, euh, de mettre en place une religion particulière pour, pour goyim euh, qui consisterait grosso modo à, à fondre le christianisme et l'islam dans une nouvelle religion qui s'appelle le noachisme. Oui, alors le noachisme, donc religion issue du Talmud, je me suis appuyé entre autres sur les propos, euh, les explications du rabbin Menamözek, mais il n'y a, a pas que lui. Et pour vous montrer que comme tout est relié, voyez-vous, il y a une logique dans le système. Il faut dissoudre les nations. Donc, euh, Dissous les nations via euh, le, la promotion des groupes ethniques. Pourquoi je dis ça Et vous allez voir, ensuite je rebondis sur mon propos. Mais il faut jongler. J'ai euh, découvert un, une thèse, une thèse en 19, qui date de 1929, la thèse de Nathan Feinberg, qui explique le rôle des Naïbrites, euh, les fils de l'Alliance, euh, dans la protection des minorités dans le traité de Versailles en, 1917, oh, en 1919, pardon, avec le soutien du président Wilson. Et euh, ce groupe était dirigé par Léo Motzkin. Léo Motskine était un sioniste, un, un des bras droits de Theodore Herzl. Donc c'est très intéressant de voir pourquoi les Juifs ont favorisé la protection des groupes ethniques dans le but de favoriser un éclatement des États, car ça va de pair avec le noachisme, parce qu'il faut un noachisme pour une humanité non juive indifférenciée et mélangée avec des groupes ethniques, etc. Donc protection des, des, des groupes ethniques, dissolution des États, noachisme, ça va de pair. Et euh, d'ailleurs, c'est intéressant de noter que, par exemple, le rapporteur de la chaire des langues régionales s'appelle Herbert Cohn, K-O-H-N. K -O -H -N. Bon. Et donc, ça, ça va ensemble. Et le Noachis, cette religion, euh, a pour but d'établir des, des, des principes euh, pour les non-juifs, pour en faire des procédés de la porte, et en particulier euh, avec des lois bien spécifiques. Et. Euh, cette religion pour les non-juifs doit obéir à certains critères, et j'ai repris les, les textes officiels, qui est qu'un des critères, il faut un Dieu unique. Donc dans le catholicisme, le Dieu Trinité à Sainte Trinité, évidemment, est à proscrire. Alors, dans le judaïsme, il n'y a pas de problème. Dans l'islam, c'est Dieu unique, donc c'est bon. Il faut euh, que le Jésus en question, il, bon, il est reconnu, mais comme un simple prophète appelé à une auguste mission religieuse. Dans le christianisme, le, le Christ est le Fils de Dieu incarné. Qui en plus euh, établit un principe révolutionnaire, euh, révolutionnaire avec la distinction du spirituel et du temporel, chose qui n'existe pas dans l'islam. Donc là, je reste purement factuel. Et l'autre élément aussi, c'est le fait que à partir du moment où vous avez le principe de l'incarnation qui est reconnu dans le catholicisme, eh bien vous avez une incarnation avec des conséquences dans le domaine spirituel. Le prêtre est le transparent du Christ. Il peut confesser. Ce c'est pas lui qui confesse, mais Dieu par l'intermédiaire de l'outil. Et il transforme le pain et le vin encore corps et sang du Christ. Bon. Et dans le domaine politique, c'était le cas du roi de France, était le lieutenant du Christ, l'intermédiaire entre le, le, le peuple et euh, l'autorité divine. Et donc ce principe de l'intermédiaire de l'incarnation doit être absolument abrogé. Et ce principe de, de l'incarnation, avec son sacerdoce, n'existe pas dans l'islam. Vous n'avez pas un prêtre euh, musulman transformant le corps et le sang en, en corps et euh, le corps et sang, sang d'Allah. Euh, donc c'est très intéressant de voir que euh, les caractéristiques de l'islam ne heurtent pas les points fondamentaux du noachisme. Mais je rappelle, et je l'ai dit, et je le redis, euh, l'islam défend encore certaines valeurs qu'on trouve plus en Occident. Je vous dis, euh, quand je suis à dans les médias marocains, j'attends de voir euh, la promo, ça marche pas. Donc j'essaye de ne pas choquer, en tout cas de ne pas blesser euh, les auditeurs qui musulmans en particulier, leur, leur, comp leur faire comprendre qu'il y a un fait. Je constate que dans le cas du Nouachiz, il y a à remettre le catholicisme, euh, il faut le, le raboter. D'ailleurs, le rabbin Benamazek dit bien... Mettre en place un catholicisme d'Israël. Il ne parle jamais d'un catholicisme, d'un islam d'Israël, parce que les points clés, il n'y a pas à faire ces réformes. Et, euh, et j'ai montré en particulier, je, là, les auditeurs peuvent être intéressés, j'ai apporté un document clé, un, un document original, Le rôle des Juifs dans Vatican II, avec les discussions secrètes, entre autres entre le cardinal Béat Béa et le rabbin Echel avec tout le texte. Euh, qui montre. Donc bien montrer que dans un cas il faut modifier le catholicisme, dans l'autre, le cas de l'islam, c'est pas la peine. Vous consacrez euh, l'extrême fin de votre livre à hein, euh, lister euh, les noms d'un organisme qui s'appelle la French American Foundation. Mm -hmm. Et euh, je seriez vous cher pierre hila parce qu'on parle très peu de la French American Foundation, alors que c'est une fondation qui a euh, pignon sur eux dans la République, puisqu'il faut rappeler que Hollande était membre de la French American Foundation. Il l'est toujours, évidemment. 1996. Euh, mais aussi euh, M. Macron et M. Philippe, n'est-ce pas Promotion 2012. Voilà, et madame euh, Najat Vallaud-Belkacem, qui en tant que ministre de l'éducation nationale, a parfaitement servi les intérêts de l'ISESCO, l'organisation islamique pour l'éducation et la culture, promotion de, de la langue arabe et la culture arabe. Donc, euh, ce petit monde se, euh, se, se réunit euh, de manière tout à fait euh, synergétique, on va dire. Pierre Hilar, je crois malheureusement qu'il il est temps de conclure. Euh, vous dites, les temps sont mûrs. Alors, mûrs pour qui Alors, Murs pour les oligarchies américaines, russes, turques, israéliennes, allemandes, anglaises, françaises, etc. En sachant qu'au sein de ces oligarchies, vous avez des factions rivales. Et la finalité du projet, c'est donc une gouvernance mondiale. Mais il faut une entente. Et ce que je dis, je vais même écrire plusieurs fois dans, dans ce livre, Atlas du mondialisme, il faut une entente entre ces différentes oligarchies dans la répartition des zones d'influence, des intérêts et une hiérarchisation de ces intérêts. Et là. Ça coince entre le clan Lubavitch qui soutient Poutine, Poutine, je rappelle, qui est très lié à un des plus grands chefs de la mafia qui s'appelle Marion Migolevitch, et le clan libéralo-libertaire Rothschild, en sachant que vous avez en plus des factions avec Jared Kushner, le gendre de Trump, Trump qui est Lubavitch. Donc vous avez des rivalités internes d'ordre spirituel, parce que le clan Rothschild, lui, c'est un clan messianiste, le clan Lubavitch l'est beaucoup moins, il l'est, mais moins, neutralisation du messianisme, comme dit Gershom Scholem en parlant des Lubavitch, vous avez des rivalités internes, et tout ça au nom de la Russie, au nom des États-Unis, en fait, ce sont des guerres entre factions juives, et à un moment donné, d'ailleurs, j'ai cité des documents israéliens qui expliquent que, par exemple, les juifs ukrainiens soutenus par l'Occident sont en guerre contre les Lubavitch. De, de, de Poutine, ou entre autres, en particulier, les factions juives qui se tapent entre elles, entre celles qui voudraient envoyer des colonies juives en Ukraine et en Crimée, car considérées comme une seconde Judée, parce que ancien territoire territoire et puis ceux qui ne veulent pas. Il faut bien comprendre que le monde juif, ce sont des factions qui se tapent entre elles, mais quand il s'agit de taper sur les chrétiens, elles sont unies. <laughs> bien, Pierre Hilar, merci pour cette explication. Je rappelle le titre de votre livre, Atlas du mondialisme aux éditions Le Retour aux Sources. Et je, je vous fais, fais une, dé une, une dédicace, en voilà. effet, le, le 20, c'est un samedi, hein. samedi 20, enfin, janvier, samedi 20 ouais. janvier prochain, à la librairie française 5 rue Auguste de Bartholdi, Paris 15 e Oui, de 15h à 18h. Très bien, merci Avec infiniment. Avec euh, Laurent Glosy. Très bien, merci infiniment Pierre-Hilard. Je passe à mon deuxième invité, euh, Paul Lijon. Alors dites-nous, comment est-ce qu'on devient un spécialiste du Talmud euh, Attendez, avant de vous expliquer ça, je voudrais rebondir sur un propos de Pierre-Hilard. Allez-y. Euh, les lois noachides, je les ai bien étudiées, elles sont dans un traité spécial du Talmud. Euh, et c'est très intéressant de faire le parallèle entre le Décalogue et les lois noachides, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Euh... Oui Bon. Euh, petite remarque aussi, euh, certains auteurs, euh, je pense à Douglas Reed ou euh, Laurent guyeno, euh, pensent que cette, euh, cette volonté d'unification, ce, ce mondialisme remonte à avant le Talmud, c'est-à-dire euh, dès le lévitique. Hein euh, C'est-à-dire dans la Bible elle-même, mais c'est qu'un détail. Voilà. Alors, comment, comment s'intéresse au Talmud euh, Écoutez, je vais vous le dire. Euh, en fait, c'est un ami juif qui m'a conseillé de le lire. Bien que lui ne l'ait jamais lu, qui n'en ait lu que des bribes, il m'a dit, tu verras que là-dedans, il y a des choses euh, qui expliquent euh, largement la Bible. Bon, et je me rappelle, je l'ai raconté tout à l'heure à hein, Henri Dubost avant l'émission, la première fois que je suis rentré dans une librairie, euh, qui possède l'intégralité du Talmud, j'ai pris peur okay. quand j'ai vu l'épaisseur des volumes et les trois pans de mur que ça tenait. Alors, je dis trois pans de mur parce qu'il y avait l'édition en hébreu, l'édition en anglais, l'édition en français, mais qui n'est pas achevée. Voilà. J'ai commencé à lire un livre, puis deux livres, puis puis j'ai continué. Euh, j'ai mis huit ans à le lire. En partie en anglais parce que tout n'est pas traduit en français, loin s'en faut. Okay. Euh, et justement, euh, le titre de l'émission, c'est, euh, je crois que vous avez dit, le Talmud c'est inconnu, euh, parce que je pense que peu de gens l'ont lu, euh, même parmi les juifs d'ailleurs, hein, euh, à part leurs intellectuels et euh, leurs rabbins. Et je me suis rendu compte que euh, ce qui circule sur le Talmud euh, est en partie faux, notamment tout ce qu'on peut trouver sur le net, parce que ça fait, depuis que le net existe, on recopie des textes et sans jamais aller aux sources, sans jamais vérifier. Cela étant... Quand on lit vraiment le Talmud comme je l'ai fait, on trouve des choses encore pires. <laughs> Il faut le savoir. Bien, Alors, bien, bien. je pense qu'il faut le définir. Alors, effectivement, commençons par le début. Le Talmud, c'est quoi Alors, le Talmud, c'est au sens strict la codification de la loi juive. Voilà. Mais euh, codification au sens de compilation. Euh, les nouveaux auteurs rajoutent des couches successives au Talmud. Il n'y a pas de remise en cause de la Mishnah de départ, hein, j'y reviendrai. Mishnah, définition voilà. des mots, vous êtes d'accord on, on va y venir. Voilà. Euh, le Talmud, c'est l'assemblage de la Mishnah et de la Gemara. Qu'est-ce que la Mishnah La Mishnah, c'est la mise par écrit de la loi orale. Mais alors, la question qui se pose, c'est, y a-t-il une loi orale Parce que ça, c'est un grand mystère. Par définition, y a-t-il eu une loi orale à un moment de l'histoire une loi orale, par définition, ça laisse pas de trace. Donc il faut aller aux sources. Alors, je vous donne, là je vais lire un texte, je vous donne l'explication euh, du rabbin Simeon Ben Lakish, qui a vécu euh, juste après le Christ, euh, qui fait la lecture suivante d'Exode 24-12. Il est écrit dans Exode 24-12 « Le Seigneur dit à Moïse « Monte vers moi sur la montagne et je te donnerai des tables de pierre et la Torah et les commandements que j'ai inscrits afin de les instruire. » Selon les rabbins, dont Siméon Ben Lakish. Les tables de pierre sont les dix commandements. La Torah, c'est le Pentateuque que l'on connaît, hein, les cinq premiers livres. Les commandements se réfèrent à la Mishnah. Que j'ai inscrit se réfère aux, et aux, aux prophètes et aux hagiographes, et afin de les instruire à la Gemara. Et ça, c'est écrit au tout début du Talmud, dans le traité Berakot, qui est le premier traité du Talmud, au folio 5a, au tout début. Donc, Berakot, c'est les bénédictions. Donc là, le cadre est, est spécifié. En fait, il aurait existé une loi orale qui a été révélée au Sinaï. Et les, ra les rabbins sont destinés à la mettre par écrit, dans la mesure où, il faut, faut quand même bien se situer, on se situe euh, après la destruction du second temple. En 70. Alors, qui pour moi est le premier, mais ça, ce serait une autre discussion, dans la mesure où on n'a pas de preuve de l'existence du premier. Bon. Mais peu importe. C'est à ce moment-là que chez les Juifs naît le besoin de mettre par écrit, euh, on va dire leurs coutumes, leurs lois, euh, qui étaient soi-disant orales, par peur de les perdre, tout simplement. Voilà. Et c'est pas un hasard, si, comme le disait Pierre Hillard, ça se passe, c'est contemporain en fait. Euh, L'expansion du christianisme. Du christianisme, oui. voilà. Oui. Euh, disons les, les, je crois que le, le rabbin le plus ancien, ça doit être qui a précédé la Mishnah, c'est Rabbi Akiba. Il est quasiment contemporain de Saint Paul. Voilà. Alors, Donc, Deux langues, l'hébreu et l'araméen, oui. et deux Talmuds, si j'ai bien compris, le alors, Talmud de Jérusalem et celui de Babylone. Alors, deux Talmuds, mais euh, la Mishnah, euh, elle est unique. La Mishnah, c'est Judas Anassi, Judas le prince. Lui écrit la Mishnah, c'est daté d'à peu près le deuxième siècle. Ensuite, ce qui fait le... parce que la Mishnah c'est petit, hein, en, en termes de taille, euh, la Gemara, les commentaires, c'est 10, 15, 20 fois la, la, la Mishnah. Là, on a deux écoles. On a l'école de Jérusalem, en plus c'est pas vraiment Jérusalem, on l'appelle Talmud de Jérusalem, mais c'est dans les, les académies euh, euh, hébraïques de l'époque, de Tibériade, de Séphoris, qui a mis au point le Talmud de Jérusalem, c'est-à-dire le commentaire par les rabbins, de la région de Jérusalem, de la Mishnah. Et l'autre qui fait autorité aujourd'hui sans aucun problème, qui est le Talmud de Babylone, c'est l'école de Babylone. Euh, on sait depuis assez peu de temps d'ailleurs, grâce aux travaux de, de Thierry Murcia, que le Talmud n'est pas achevé contrairement à ce qu'on a dit au 5 siècle, mais plus tard. Ça va jusqu'au 8e l'achèvement, euh, donc à l'époque euh, vraiment du christianisme triomphant, ce qui peut permettre d'expliquer d'ailleurs des passages qui sont très 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 antichrétiens. Mais le Talmud, ça ne s'arrête pas là, parce que là, je vous parle du Talmud au sens euh, strict. Il y a des phases de codification postérieures qui sont arrivées jusqu'au XVIe siècle. C'est les grands codificateurs, qu alors je vais en citer que deux, hein. euh, Moïse Maïmonide, bien sûr, qui a écrit son propre Talmud, en 14 volumes, dont la moitié sont traduits en français par les Lubavitch, puisque c'est à, à lui que le, les Lubavitch se réfèrent, hein. c'est très clair. Et puis, au XVIe siècle, Joseph Caro. Je vous disais tout à l'heure que tous les juifs n'ont pas lu le Talmud. Par contre, tous les juifs, même les juifs modestes, connaissent le Shulan Arour, qui est l'ouvrage écrit par Joseph Caro, qui donne tout le détail, dans le moindre détail de la vie juive. c'est encore plus important que le Talmud. Le problème, c'est que, par contre, on n'a pas accès à cet ouvrage, qui n'existe qu'en hébreu, qui n'est pas traduit en anglais, qui n'est pas traduit en français. En français, on n'en a qu'un euh, extrait, qui est le, ce, qu ce que les juifs appellent le Kitsur. Écrit par un rabbin hongrois qui s'appelle Shlomo Gansfried et qu'on peut trouver effectivement dans les librairies. Il euh, y a des passages assez savoureux, notamment sur l'idolâtrie, euh, où là, il est très clair qu'écrit au XVIe siècle, l'idolâtrie, ce n'est pas les papous ou les amazoniens, ce sont les chrétiens. Hein. Les polythéistes. Faire. Voilà. Bon. Les trithéistes. Vous tenez, euh, la, la taille du Talmud, c'est 63 volumes. Euh, c'est assez monstrueux. Ça se distingue en six ordres. Alors, bon, les ordres, je peux vous les donner. Hein. Euh... Le premier ordre, qui s'appelle Zéraïm en hébreu, c'est les semences. Alors, bon, on va passer dessus parce que ça n'a pas grand intérêt. Il, il existe surtout dans le Talmud de Jérusalem. Il témoigne d'une période qui est très très agricole. Hein. Bon. Euh, les, les, les trois ordres les plus importants, les trois ordres centraux, c'est Moed, les saisons. C'est là où on a le Shabbat. Le Shabbat est un traité fondamental. Hein. Le troisième, un traité entier du Talmud qui s'appelle Nashim, qui est consacré aux femmes et à la sexualité, à la reproduction, d'une manière générale. C'est un, un ordre qui est énorme, euh, qui est très scabreux par moments, il euh, faut le dire. Hein, bon. euh, et puis, la partie proprement juridique euh, qui s'appelle Nézikine, qui s'appelle les dommages. C'est la loi civile et pénale des juifs, euh, des juifs croyants. Voilà un petit peu la structure. Maintenant, je voudrais insister sur le fait que on présente souvent le Talmud. Euh, rien que le nom est un petit peu curieux. ésotérique. Euh, bon, euh, euh, oui, euh, pas bizarre. C'est pas du tout un ouvrage ésotérique. C'est pas du tout un ouvrage bizarre. C'est très terre à terre. C'est pas philosophique parce que, comme le disait Léo Strauss, euh, juif lui-même, euh, l'âme juive comme l'âme musulmane ne sont pas prêtes pour la philosophie. Ça, c'est la pensée hellénistique, c'est propre aux, aux occidentaux, aux Grecs. Euh, c'est pas de la cosmogonie. C'est pas de la théologie. La cosmogonie, on la trouve dans la Kabbale, bien sûr. Ça, c'est un régal. D'ailleurs, je me demande, moi, par moment, les, certains auteurs de la cabale je veux pas être trivial, mais on peut se demander ce qu'ils ont fumé. Mais en tout cas, en tout cas ils l'ont écrit. Hein. Bon. Euh, le Talmud est beaucoup plus terre à terre. C'est la vie, c'est la loi des Juifs. Il n'y a pas de poésie, pas de littérature au sens où on l'entend. Pas de littérature, ouais. non, non. Il y a, y, y, a y a des aspects poétiques, euh, oui. Il y en a, on en trouve, qui sont assez drôles. Euh, simplement, ce qui caractérise le Talmud, il faut le dire, et je rejoins les propos de Pierre Hiller, c'est quand même son exclusivisme et à euh, tendance racialiste, il faut le dire. Tous les traités, parce que je les ai tous lus, même les traités qui traitent d'agriculture dans le Talmud de Jérusalem, où forcément on va avoir des propriétés mitoyennes avec celles des non-juifs, tout est prétexte pour envoyer, c'est bien le cas, le coup de pied de l'âne. Contre ce qui n'est pas juif. Alors, à l'époque, évidemment, ça ne vise pas euh, les musulmans, ils n'existent pas. Hein. Ça vise les autres. Les autres, mais qui ne sont pas seulement les chrétiens, hein, c'est-à-dire tous les autres. C'est cet aspect euh, racialiste qui est particulièrement prégnant dans le Talmud et qui fait que j'en ai continué la lecture, même si par moments, euh, ça devenait un petit peu euh, fastidieux parce que c'est très répétitif. Hein, bon. Jusqu'à arriver au centre du Talmud qui est. Euh, donc je vous parlais de l'ordre l'ordneziquide, mais les deux derniers ordres sont importants aussi, mais cela je les ai lus en anglais, dans la mesure où ils traitent d'une chose qui est fondamentale, c'est la notion de pureté. C'est fondamental, parce que qui dit racialisme dit pureté. Automatiquement, on en vient à un moment donné à parler du sang. Euh, du sang, des mains. Euh, bon. Et le sang d'ailleurs, ça c'est très très important, Talmud, parce qu'il y a le sang au sens de la race, mais il y a aussi le sang. De la femme, qui occupe un traité entier, repris par les musulmans d'ailleurs après. Euh, le fameux d'Achim, alors, c'est ça Voilà. Alors, le, le fameux traité, c'est le traité Nida. Hein. Mm. Euh, le traité Nida euh, parle de. Moïse Malimoni, dans le Sefer Kedoucha, on a fait un bouquin entier aussi, qui consiste à parler de la façon dont on doit isoler la femme dans ces périodes euh, d'indisposition. Là, on rentre dans des détails sur la couleur du sang, euh, sur le moment où on l'a trouvée. C'est assez effrayant parce que on s'aperçoit que les rabbins étaient obsédés. Alors, comme je le dis souvent, euh, je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, dans le Talmud, on parle essentiellement de sexe, d'argent, de pureté, de messianisme dans le traité euh, Sanedra, mais c'est le seul. Et si on enlève tout ça, le Talmud est un livre de poche. Voilà ce qui fait le, le Talmud. C'est ça, en gros. Euh, alors, comment les juifs voient le Talmud eux-mêmes ça, c'est très très important. Euh, pour le, le juif un peu cultivé, bien sûr. Hein. Bon, le Talmud a une valeur supérieure à la Torah, c'est indiscutable. Le, 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 le Talmud l'emporte sur la Torah. Oui. Et dans le Talmud, la Gemara l'emporte sur la Mishnah. C'est-à-dire tous les, les développements délirants que l'on connaît sont dans la Gemara. Ils ne sont pas dans la Mishnah, ils sont dans la Guémara. Je vais vous citer une phrase d'un un chroniqueur. Euh, du 19e siècle, qui connaissait bien le milieu juif et qui disait, c'est dans le, un magazine britannique qui s'appelle Cornille, en juillet 1873, il dit, reflétant la pensée des juifs, « La Torah est de l'eau, la Mishnah est du vin, et la Gemara est du vin avec du miel. » si vous préférez, « La Torah est du sel, la Mishnah est du poivre, et la Gemara est le parfum. » C'est-à-dire que pour un rabbin, la loi, c'est la Gemara qui va imposer à sa communauté, parce que, oublions pas, il faut le préciser, Pierre Hillard le disait tout à l'heure pour les musulmans, moi je vais le dire pour les juifs, le rabbin n'est pas un prêtre. Hein. Les prêtres ont disparu avec le temple. Le rabbin, c'est un chef de communauté. Mais dans toutes les, toutes les yeshivas, dans toutes les écoles juives, on va lire le Talmud. Certains le lisent intégralement, ceux qui vont vraiment à la yeshiva. Donc, toutes les horreurs qu'on peut y lire, ils vont les lire, ils vont les apprendre. Je ne sais pas si on, on va avoir un petit peu le temps de lire certains passages parce que y bah y a qui, y y y y en Écoutez, allez-y euh, en, en étant raisonnable quand même. Alors, écoutez, juste un petit, un petit passage. Allez, un petit, euh, Alors, pour, vais, pour donner un petit aperçu à nos auditeurs. Du sel, hein. mmh. Voilà, exactement, tout à fait. Et le poivre et le parfum après. Oui. Les épices. Mmh. Donc, Paul Dijon, nous vous écoutons. Sur le prêt à intérêt, c'est dans le traité Bamenda. Si vous lisez la Torah, il est interdit de prêter un intérêt, que ce soit un juif ou pas un juif. Le prêt intérêt est interdit. Le prêt intérêt, en fait, il est instauré par les Talbunistes. Il y a des discussions entre Thé Baba Métia qui cherchaient à nous faire croire que tu n'entraîneras pas une morsure usuraire à ton frère, c'est pas de lui emprunter, mais de lui prêter. Mais en fait, Maïmonide est beaucoup plus clair quand il arrive. Il dit, et c'est repris par le, le rabbin Aaron Lévy de Barcelone lorsqu'il codifie les 613 commandements, il est un devoir de pressurer le gentil en lui prêtant un intérêt. Et il est interdit de prêter un intérêt à son frère. Son frère, c'est le juif. Alors, évidemment, ça, à l'ère moderne, on n'en est plus tout à fait là. Lorsque les juifs se prêtent de l'argent entre eux, ils se prêtent aussi un intérêt. Bon. Mais en tout cas, au départ, le prêt à intérêt, selon les rabbins, c'est destiné en fait à ruiner le gentil. Il faut, faut être assez clair. Alors le gentil, au sens large, il y a les chrétiens, il n'y a pas que les chrétiens. Après, je peux. Euh, oui, ça c'est un sujet aussi qui a beaucoup agité euh, les gens. On trouve des passages sur internet. C'est sur la majorité sexuelle. C'est d'actualité. Alors, ça, c'est dans le traité Kidushin, qui est à mon sens un des quatre plus importants euh, du, du Talmud. Il euh, faut savoir que la majorité sexuelle, pour les rabbins... C'est trois ans pour une fille, 9 ans pour un garçon. Vous avez, vous avez dit trois ans, c'est bien ça 3 ans. Tout le monde a entendu, je pense, trois ans. Trois ans quoi. pour une fille, 9 ans pour un garçon. C'est 9 ans, je crois, pour la majorité sexuelle, pour les filles, en, en islam. Euh, ça, je ne sais pas. C'est l'âge où euh, le prophète a épousé Aïcha. Oui, mais ça, c'est dans le Coran. Euh, je, ça dépend des pays musulmans, je pense. Euh, il y a des pays où on célèbre effectivement les mariages avec des filles de ça existe, ans. Ça existe en Iran aussi. En Iran, bien, oui. Je crois que c'est l'une des premières modifications de la, la loi iranienne que l'ayatollah Khomeini a mise en place après son accession, après la chute du Shah. Mais le plus intéressant, c'est pas seulement, parce que c'est déjà, c'est choquant de voir que la majorité sexuelle est à 3 ans pour une fille qui donc son père peut la marier à l'âge de 4 ans s'il le veut. Hein euh, le plus drôle, entre guillemets, c'est que se passe-t-il Lorsqu'une fille de moins de trois ans est violée, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction tout simplement parce que, par un mystère de la nature, la fille en question redevient vierge. Donc, ce qui permet à Moïse Maïmonique d'en conclure que les rapports sexuels d'une fille de moins de trois ans ou les rapports sexuels d'un garçon de moins de neuf ans sont sans signifiance juridique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée. C'est-à-dire que le concept, le concept de pédophilie, comme le concept de zoophilie, parce qu'on a aussi des passages quand même assez ardus euh, des rapports entre certains individus hébreux et certains animaux, parce qu'on se pose la question de savoir si la semence se conserve, etc., pédophilie-zoophilie, ce ne sont pas des concepts qui dérangent beaucoup, euh, on va dire, parce qu'en islam c'est un peu la même chose, hein. euh, les religions sémitiques. Ça ne les dérange pas du tout, ça nous dérange nous chrétien, etc. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire J'aimerais vous entendre sur la, la place du, du christianisme dans le Talmud précisément. Alors, quelle est la place du Christ Alors, il faut distinguer les deux. Euh, la place du christianisme, elle est très importante, mais il n'est pas désigné en tant que tel. Ce sont les idolâtres. Même dans le... Même dans le, le Kitsour, hein, qui, qui, qui a été écrit au XVIIe siècle, et qui s'adresse, et que toutes les familles juives ont chez elles, notamment son abrégé, euh, il est très clair que les chrétiens sont visés. Hein. On se moque allègrement du crucifix, euh, des cierges, etc. Bon. Maintenant, en ce qui concerne le Christ lui-même, le personnage, il euh, y, y a deux livres qui ont été écrits sur le sujet, hein, je peux les recommander. Le premier, c'est celui de Peter Schaeffer en 2008, qui s'appelle Jésus dans le Talmud, mais qui est en anglais. Il euh, y en a un autre en 2014 qui a été écrit par euh, Thierry Murcia aux éditions Brepols, mais celui-là émane de quelqu'un qui euh, est probablement euh, d'origine juive. Hein. Donc c'est deux thèses opposées, hein, c'est-à-dire euh, un qui va dire on dit beaucoup de mal de Jésus et l'autre non mais on n'en dit pas tant que ça. Jésus en tant que personnage est peu présent dans le Talmud. On le trouve dans six traités à peu près euh, sous des, des pseudonymes. Euh, on a Yehuda Ben Paphos, on a Ben, euh, ben Stada. Qui signifie Ben Stada, c'est celui qui a trompé. Euh, et Ben Paphos On ne sait pas. Hmm. On ne sait pas trop. On n'est même pas sûr, d'ailleurs, au niveau typographique, que ce soit la bonne traduction. Simplement, il y a des allusions qui sont parfaitement claires. Euh, on y décrit euh, euh, la, la coiffeuse pour dame, c'est Myriam c'est la Vierge Marie. Euh, mais ça, ça a été publié par un, en 1999. Il euh, y a un livre spécial sur les passages qui sont censurés du Talmud. Euh, Cela, le sont hein, notamment. Qui les a censurés Alors, okay. les Juifs eux-mêmes euh, les ont censurés pour échapper à la censure ecclésiastique. Hein bon. euh, dans les manuscrits, parce que j'en ai vu en reproduction, dans les manuscrits, notamment celui de Munich qui est le, le plus dense, hein, euh, on a des passages qui sont blancs, c'est-à-dire on a gratté le papier, puisque c'était des manuscrits, on a gratté l'écriture à charge pour les rabbins d'en connaître le contenu par cœur pour pouvoir les enseigner dans leurs écoles. Euh, Jésus est très clairement visé, euh, mais très clairement, et notamment l'Eucharistie elle-même est visée, puisqu'il est dit que Jésus mourra dans des excréments bouillants. Ça veut dire quoi Les excréments, mais ça c'est une interprétation de Peter Schaeffer, hein, les excréments de ses disciples, suite à l'Eucharistie. C'est logique, on mange le corps du Christ. Ah oui. Donc, l'attaque, elle est très directe, oui, très feutrée, mais elle est bien présente. Euh, la seule chose que je regrette, c'est que ce livre ne soit pas traduit en français, parce qu'il est, est vraiment très bien. Et Peter Schaeffer est quelqu'un de sérieux, hein, c'est un universitaire américain. Euh, Thierry Murcia a écrit un livre pour lui répondre, mais bon. Donc, Jésus en tant que tel est peu présent dans le Talmud. Les chrétiens, ils sont partout. Hein. Euh, partout. Et nommément désignés, ou c'est les idolâtres les... les idolâtres, les nazaréens, ça, ça arrive assez souvent. Euh. Les Nazaréens, oui. Ça, c'est bon, on sait qui c'est. Dans les écrits les plus anciens du Talmud, on les appelle les minimes. Mais minimes, ça ne veut pas dire grand-chose parce que les minimes sont les hérétiques. Or, chez les juifs, il y avait des hérétiques aussi, à hein, commencer par les zélotes. Bon. Euh, petite précision que je n'ai pas euh, donnée en débutant euh, ce sont les pharisiens qui croient à l'existence d'une loi orale. Et uniquement eux. Sauf que c'est eux qui ont pris le pouvoir. Euh, les sadducéens n'y croyaient pas. Les Karaïtes, qui étaient quand même la majorité de la communauté juive au XIe siècle, ne croyaient pas non plus à la loi orale. Le problème, c'est que ce sont les pharisiens qui l'ont emporté. C'est eux qui écrivent le Talmud. Judas Anassi est un pharisien. C'est les pharisiens qui ont fait condamner le Christ. Euh, maintenant j'en profite de, pour faire une transition avec ce que disait euh, Pierre Hillard à propos de Gershom Scholem. Il faut faire attention avec euh, les auteurs juifs parce que parfois, et je pense que c'était un peu le cas de Scholem qui était un révolutionnaire dans l'âme, euh, ils attribuent des, des relations, ou ils s'attribuent à eux-mêmes des choses qu'ils n'ont pas forcément faites. Euh, je vais vous donner un exemple, dans le traité sanédrin, il est très clair, on explique que euh, les juifs ont lapidé Jésus. C'est pas vrai. Ils n'ont pas lapidé Jésus. Ils en ont peut-être rêvé, mais ils n'ont pas la idée, et c'est les Romains qui l'ont crucifié. Certes, à l'instigation du, du temple et des pharisiens, mais ce n'est pas eux qui l'ont fait. Ce qui veut dire qu'ils auraient aimé le faire. Il faut faire attention, et là-dessus, je... on parlait tout à l'heure, je ne sais plus si on en a parlé dans l'émission, mais quelqu'un comme Moshe Hidel est quelqu'un qui, justement, qui est venu après Kershom Sholem, remet un petit peu d'ordre dans la maison. Il faut remettre un petit peu les choses à plat, et puis surtout ne pas exagérer euh, certaines euh, certaines constatations qu'on a pu faire parce qu'elles sont très très relatives en fait. Voilà. Vous serez d'accord pour que nous passions à, à, aux attaques contre le Talmud à partir du XIIIe siècle. Il y a eu un certain nombre de disputations, c'est comme ça qu'on disait en latin, et euh, j'en ai relevé un certain nombre. Je suis surpris de, du fait que. Euh, tous ceux qui, euh, se portent, euh, qui portent le fer contre le Talmud, enfin, tous, beaucoup, sont des juifs convertis. Tout à fait. Mais je exact. pense à Nicolas Donin, je pense à Pablo Cristiani, je pense à euh, un monsieur qui s'appelait Geronimo de Santa Fe, c'est un nom de western, mais il a mmh. existé apparemment, euh, et à Johannes Pfefferkorn en particulier. Voilà. Tous juifs et convertis bah, Je pense qu'il y, oui, y a une explication, c'est que, justement, au départ, ils sont de confession juive, ils connaissent le Talmud, ils savent lire l'hébreu, ce qui n'était pas du tout le cas des, des ecclésiastiques à l'époque, chrétiens. Et donc c'était euh, un apport essentiel d'avoir des convertis qui, eux, connaissaient parfaitement le texte. Donc ce n'est pas tellement étonnant, ça. Je peux euh, Pierre, il a très, euh, très intéressant ce que vous dites. Euh, au sujet des conversions de, de juifs au catholicisme, il faut faire quelquefois attention oui. euh, parce que vous avez de vraies conversions, mais quelquefois, certaines ne sont pas toujours oui, très oui, nettes. Bon, hein. Par exemple, l'exemple de l'ex-rabbin Drac. Qui s'est converti au catholicisme. Bon, euh, seul Dieu peut connaître la, la, la conversion, si elle est véritable ou, ou, ou pas. Mais par exemple, le rabbin Drac a diffusé en tant que catholique une fausse informa information euh, c'est une bonne cabale chrétienne. Il n'y a pas de bonne cabale chrétienne. Euh, le dépôt de la foi est clos avec saint Jean. Rien ne peut être enlevé, modifié. Et il a. Laisser entendre qu'il y avait une bonne, mauvaise cabane, mais une bonne cabane chrétienne, il ne faut pas tomber dans ce piège qui peut donc troubler le catholicisme. J'en profite, puisque vous venez de parler du rabbin Drac, je voudrais vous faire une petite citation de lui. Il nous cite un traité apocryphe du Talmud, c'est-à-dire un traité qui a été rajouté au Talmud après, qui est le traité Kala, un petit mot d'humour hein, pour terminer. Oui. L'homme peut user de sa femme de la façon qu'il lui plaît. Ce cas n'est nullement différent de celui qui achète du boucher un morceau de viande selon qu'il lui plaît, il le mange rôti ou bouilli ou cuit sur la braise. Écoutez, l'islam, c'est mmh. la même chose. Euh, utilise ton épouse comme tu labours le champ. Donc, on est dans la même métaphore oui. agricole. C'est la sourate 4, ça. Très bien. Alors, euh, Paul, Paul Dijon, j'aurais juste une question peut-être un petit peu naïve, d'ailleurs, ah, qui peut s'appliquer à vous aussi, euh, Pierre hilard. Euh, alors, est-ce qu'on on a, a entendu parler du Talmud, mais est-ce qu'on peut dire que le Talmud est euh, ce qui vient pervertir et trahir euh, l'esprit initial du judaïsme, ou est-ce que c'est ce qui vient plutôt le révéler Écoutez, je vais vous faire une réponse de Normand. Les deux. Les deux, parce que si vous avez la curiosité, je pense que vous avez dû le faire, si vous avez la curiosité de lire le lévitique, oui. c'est terrible. D'ailleurs, sa bataille sévit, c'est beaucoup papier sur euh, le Lévitique pour produire sa théorie euh, de l'antinomisme. Il y a un approfondissement et en même temps une perversion. Les deux, on peut le dire. C'est l'opinion d'ailleurs de. Je reviens à un auteur que j'ai cité tout à l'heure, qui est Douglas Reed. Euh, Douglas Reed va vous dire le verre est dans le fruit dès le Lévitique. Dès le moment où la caste euh, sacerdotale prend le pouvoir en Israël, c'est-à-dire du temps d'Esdras. Voilà. Ça commence là. Déjà, le Christ fait des remarques négatives sur cette caste en parlant de sépulture blanchie. Il y a déjà des remarques... Les oui, euh, oui. oui. Euh, Mais disons que si on est catholique, euh, le Christ accomplit la loi. Donc le judaïsme n'a plus lieu d'être. Et donc il y a eu ce nouveau judaïsme qui est apparu en gros à partir de l'encens et qui s'est construit en opposition. Au catholicisme, euh, s'installant in... dans l'Empire romain, 313, Constantin, etc. Donc, euh, euh, on ne peut pas dire euh, judéo-chrétien, c'est impossible, quand on est catholique. Est mmh. Je suis d'accord. Impossible. Judéo-chrétien, ça n'a bah, euh, judéo pas de sens. Oui, Pierre Ligeand, nous allons être obligés de, de clore notre euh, entretien. Merci d'avoir euh, accepté mon invitation au micro de Radio Controisie. Nous avons peut-être un choqué un certain nombre d'auditeurs avec les propos que nous avons tenus. J'aimerais dire que euh, tout est sourcé et tout est en vente libre si j'ose dire dans les bonnes librairies. Tout à fait. Voilà. Bien, euh, Pierre Dijon, merci infiniment. Nous chaussons notre casque pur pour le prochain invité qui est sans doute au bout du fil. Est-ce que général Martinez, vous êtes parmi nous Oui, en fait, bonjour. Oui, bonjour mon général. Eh bien, écoutez, tous mes voeux, ces deux saisons. Oui, tous mes voeux également. <laughs> De, de radio Courtoisie pour le, le travail constant qui est réalisé. Merci infiniment, mon général. Eh bien, écoutez, donc, euh, nous allons commencer notre euh, facilement quatrième ou cinquième tribune. Euh, vous avez euh, choisi le thème qui était le vôtre lors de la soirée pour la défense de la civilisation chrétienne. Une manifestation organisée par le CIEL, mm -hmm. Souveraineté, Indépendance et Liberté, présidée par Karim Oshik, le mardi 12 décembre 2017 à Paris, devant le Conseil d'État. Alors, euh, Général Martinez, pouvez-vous nous préciser les, les, le but hein, de cette manifestation Voilà. Ben, alors, comme vous le disiez, c'est de, de, de défendre notre civilisation euh, et notamment nos, notre culture, notre, euh, notre tradition euh, chrétienne. Parce que, bon, euh, si vous voulez... Il... Peut-être euh, intéressant de euh, le, le but, c'est un peu de, de réveiller les, les, les consciences assoupies et rappeler finalement aux Français la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la France, hein, qui est ben, chacun le sait, la conséquence de euh, 40 ans de, de, de laxisme, euh, de naïveté à un certain moment, euh, de manque de clairvoyance ensuite, euh, de manque de vision. Euh, on peut même dire de lâcheté et, et on peut même. Insister et rajouter aujourd'hui, à présent, de collaboration avec une idéologie mortifère qui a finalement démontré son incompatibilité avec nos valeurs et notre civilisation. Et devant cette évidence des drames qui, qui se préparent après les, les attaques meurtrières qui ont frappé notre pays depuis le début de l'année 2015, euh, je ne rappellerai pas les, les, les centaines de morts et de blessés, mais les dirigeants, nos dirigeants politiques, ont finalement renoncé à prendre des mesures salvatrices. Et aujourd'hui, comme déjà précédemment, le gouvernement des juges s'obstine de son côté à détruire tout ce qui fait référence à notre héritage spirituel et, et culturel. Alors, vous faites allusion à l'affaire de la croix de Plermel, ah, ainsi qu'à la, la crèche de, de, et, de Béziers dans les municipalités, comme Béziers par exemple, et puis euh, euh, on, a, on a vu également, il n'y a pas, c'est peut-être pas terminé, les, les prières de rue qui sont, qui sont intolérables. C'est ainsi que, que l'État, on arrive finalement à, à trahir l'âme et les fondements même de notre nation. Alors euh, est-ce qu'on pourrait, on pourrait-on rappeler à ceux qui, qui nous gouvernent que conduire la, la, la destinée d'un pays d'un peuple, eh bien, ça ne se réduit pas à une gouvernance inspirée du management des grandes entreprises. Je suis désolé, la France, ce n'est pas seulement une start-up. Conduire la, la destinée d'une nation, c'est beaucoup plus que cela, car euh, il faut le rappeler, une nation a, a une histoire, elle a une âme qui la caractérise et ne pas vouloir en tenir compte, voire comme le fait le, le gouvernement des juges, le, le fameux Conseil d'État, voir s'attacher à, à dégrader ou détruire ce socle unificateur, c'est finalement l'avouer à, à sa perte. Il appartient donc et c'est ce que nous avons voulu euh, imprimer, euh, il appartient donc au peuple de se manifester aujourd'hui pour exprimer son désaccord sur cet abandon de ses racines visant à imposer une vision euh, multiculturelle de la société qui euh, aboutira il ne faut pas se leurrer à une société conflictuelle avec euh, de grandes souffrances, c'est évident. Alors, comment comment expliquez-vous que cette, bon, finalement, cette scène laïcité, nous en avons parlé avec Pierre Hélard, c'est quand oui. même un, une idée euh, éminemment catholique, la, laïcité oui. Comment euh, est-ce que vous expliquez que cette donc, scène, encore une fois, laïcité, soit euh, ait été pervertie en un laïcisme antichrétien Alors c'est tout à fait cela. C'est un. C'est devenu un laïcisme antichrétien aujourd'hui et j'ai coutume de dire, je l'ai écrit également, que finalement cette laïcité qui est brandie par nos, nos dirigeants politiques a, a finalement deux, deux faces. La, la première, c'est la face je, je, que je qualifierais de, de, de dague, qui a été celle de la loi de 1905 imposée par la force dans la douleur aux, aux catholiques. Et la seconde, eh bien, c'est une laïcité qui est devenue euh, une armure. Pour protéger une une culture qui est récente sur notre pays et, et qui lui permet de se de de, de, de s'étendre euh, contrairement à je dirais aux intérêts du, du, de, de la nation française et le, le problème de la laïcité vous l'avez bien euh, euh, noté également c'est un sujet sur lequel le président de la République euh, devait se prononcer, il se prononcera peut-être, mais pour l'instant, c'est un sujet qu'il ne souhaite probablement pas aborder parce que c'est un sujet euh, brûlant. Voilà. Général Martinez, euh, Pierre-Hillard, excusez-moi, euh, Pierre, Pierre-Hillard, très intervenir. Alors Pierre-Hillard, nous vous oui. écoutons. Oui, euh, bonjour, mon général. Euh, bonjour. Petite information, euh, si on veut vraiment aller à la cause. Les principes de 89, par définition, sont anticatholiques. Oui, absolument. Et je rappelle, et je le cite dans le bouquin Atlas du, euh, du mondialisme, le fameux livre du révolutionnaire Anarchasis Klotz, La République universelle, mmh. où il appelle à un monde unifié, avec des blocs continentaux, avec comme capitale Paris, mais là, bon, là, il s'est trompé, en fait, c'est Jérusalem, mais il dit à un moment donné... Il remet en cause quoi le, le catholicisme en rappelant l'absurdité de la sainte trinité, etc. Et il termine sa prose en parlant d'un monde unifié, la nation unique, écrit en lettres capitales hein, dans ah oui, le document oui, oui. d'origine. Et en particulier, il met à l'honneur qui la branche rivale. Euh, les tribus hébraïques, les capitalistes hébreux comme l'écrit lui-même. Oui. Donc en fait, et je rappelle que euh, vous avez des juifs qui récitent une prière euh, les, les jours de fête, le samedi euh, en faveur de la République française. Bah, si on est catholique, on peut, peut se dire que la chose doit pas être à notre avantage. Alors oui, je oui, précise oui. quand même que Claude ça a été guillotiné en 94. Ah bah ben, <laughs> vous savez, l'enfer oui. est divisé contre lui-même hein. On peut même euh, euh, dire un peu la même chose si vous voulez de euh, pour nos... nos les, les, les musulmans. C'est un peu la même chose. Euh, la, la, la prière quotidienne qu'il répète jusqu'à 17 fois pour certains, euh, finalement, quand on va bien dans le, dans le détail, eh bien, on se rend compte que c'est quelque chose d'anti-chrétien anti également, et, et anti-juif. Donc, euh, voilà, le, le but, si vous voulez, de cette, de cette soirée, finalement, c'était de euh, de réveiller finalement le, le, le peuple qui semble endormi aujourd'hui. Et nous, nous estimons, moi j'estime que c'est un devoir légitime euh, d'un peuple de vouloir défendre sa civilisation et sa culture. Euh, certains ont, ont promis à un moment donné le droit à la différence, accordant ainsi euh, de façon coupable aux, aux derniers arrivants. Excusez-moi, c'est la, 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 la différence en deux mots. La différence en deux mots. J'avais compris, l'indifférence, pardon. Non, non, l'indifférence, euh, oui. voilà, qui a permis à certains de, de refuser l'intégration à, à la nation française. Alors aujourd'hui, euh, il est peut-être temps d'accorder ce droit au peuple qui a un droit légitime, celui euh, ben, d'être différent d'un autre peuple. Il est temps d'instaurer, peut-être, ce droit des peuples à être différents des autres. La France, en effet, eh bien, ce n'est pas le Maghreb, ce n'est pas l'Afrique. C'est d'ailleurs euh, euh, ce qui fait finalement la richesse de l'humanité. Donc euh, pourquoi vouloir à tout prix euh, instaurer, imposer une société multiculturelle qui va mener à, à, des, à, des, à des drames voilà. En général, vous vous rappelez le, ce propos de Saint-Augustin sur... Euh... Le fait que la vertu, euh, espérance, a deux filles. Oui. Euh, le co la colère et le courage. La colère et le courage. C'est oui, une très belle formule. Est-ce que vous pourriez la, développer la, la colère euh, euh, pour que ce qui ne doit pas être ne soit pas. Et le courage eh bien, pour que ce qui doit être soit. Donc, il faut, euh, euh, je dirais, euh, savoir ce que l'on veut. Euh, à partir du moment où on sait ce que l'on veut, il faut peut-être alors à ce moment-là avoir le courage de le dire. Ce n'est peut-être pas très facile aujourd'hui, euh, surtout si on se réfère aux dernières déclarations du président de la République qui veut maintenant euh, instaurer une loi contre les, 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 ce qu'il appelle, euh, je vous pardonnerai sur l'antenne de radio courtoisie, les fake news, donc des fausses, euh, fausses nouvelles. Mais. C'est un, un vrai problème qui, qui, va, qui va se poser, là, c'est évident. Mon général, euh, on sent quand même que euh, la colère est un sentiment euh, impossible tant qu'on euh, opposera aux tueurs des petites bougies et des nounours. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, ça c'est une, euh, une réalité. Euh, c'est pour ça que le, 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 le plus difficile, et on le voit bien encore, depuis ces deux dernières années, ces trois dernières années, c'est l'expression d'une partie de la, de la société qui, qui est exaspérée mais qui n'ose pas encore pour l'instant exprimer sa, sa colère. Je, je prends par exemple, je reviens sur l'exemple des, des prières de rue euh, intolérables que nous avons connues, euh, notamment à, à Clichy. Hein. Très honnêtement, je, je ne sais plus. Elles ont été interdites maintenant à la suite des dernières réunions qui ont eu lieu avant la fin de l'année. Je ne sais plus. Euh, J'avoue que je ne sais pas si elles se poursuivent dans d'autres dans d'autres secteurs. Mais c'est un exemple qui doit euh, réveiller les, 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 les consciences. Il faut. Que finalement la solution ne viendra que du peuple. Si le peuple ne, ne se réveille pas, eh bien, ce sera, ce sera la soumission. Moi, si vous voulez, sur ces affaires de, de, de prières de rue, mon rêve, si je puis dire entre guillemets, c'est d'avoir la, la possibilité. Euh, au, au niveau d'un certain nombre de citoyens qui, qui commencent à s'organiser euh, pour défendre leur euh, civilisation, leur culture et, et, et combattre l'islamisation euh, euh, visible de, de, de notre société, euh, notre, mon rêve serait d'avoir, sur un coup de sifflet bref, la possibilité de, de réunir sur, une, sur un secteur comme la place de, de la mairie de Clichy où se passaient ces, ces réunions de ces prières de rue, de mobiliser les citoyens euh, prêts à, à, à montrer leur détermination et d'occuper la place avant l'arrivée des, des, des gens qui, qui l'utilisent pour euh, leur prière euh, et quand je dis prière, c'est en fait la la, la volonté de, de, de montrer leurs différences. Général Martinez, Karimouchik, qui, qui était l'organisateur de la mm -hmm. manifestation en tant que président du, du Ciel, euh, a rappelé le, le projet de, du Ciel d'inscrire les racines chrétiennes de la France oui. dans la constitution française. Mm -hmm. J'imagine que c'est un projet qui vous agrée. Absolument, je crois que de plus, il n'est pas le seul hein, à avoir euh, indiqué cela au cours de, de cette soirée, euh, si on se souvient bien également sur les sur les réseaux sociaux comme, comme Twitter. Je sais que parmi certains euh, politiques, euh, comme Nadine Morano euh, l'a, la, la préconisé également, au cours de cette soirée du 12 décembre devant le Conseil d'État, d'autres personnes l'ont souhaité, comme euh, euh, Charles Beckbédé hein, qui était présent également, euh, euh, François de Lochner, qui était présent également. Euh, donc, c'est quelque chose... Euh, qui, d'une part, euh, permettrait d'établir une, une vérité au départ, puisque euh, notre nation, notre pays est, est quand même la fille aînée de l'Église il ne faut pas l'oublier depuis le, le, le baptême de Chloris. Donc, inscrire dans notre constitution nos racines chrétiennes euh, serait la, la possibilité par la suite, eh bien de, de modifier finalement euh, le, le, le droit qu'utilise euh, le, le gouvernement des juges pour eh bien, euh, supprimer tout ce qui fait référence à, à, à nos racines. Et, et je crois qu'il faut qu'on se batte sur ce sur ce point. Alors je ne sais pas si ça pourra se, se réaliser, euh, mais il faut euh, que ce, ce message soit, euh, soit diffusé le plus largement possible pour euh, essayer d'en faire euh, un moyen de pression pour l'avenir. Général Martinez, en une minute à peine, le technicien me fait signe, mmh. euh, que pensez-vous de cette déconstruction de la, la France chrétienne euh, qui est à l'œuvre euh, basée sur l'article 28 de la loi de 1905 Est-ce qu'il faut abroger cet article Ou en tout cas le modifier En à peine une minute, excusez-moi. Alors là, c'est un sujet. Il mériterait effectivement de, 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 de discourir un peu plus, un peu plus longuement. J'imagine, bien sûr. Euh, euh, non, je, je, je ne saurais pas vous, vous, vous dire euh, en, en, en si peu de temps euh, euh, une, une réponse, euh, je dirais, très, très synthétique là-dessus. Ça me paraît très, très difficile. Eh bien, en 30, voilà, 30, là, 30 secondes, mon euh, général, est-ce que vous pourriez apporter une conclusion aux auditeurs de Radio Courtoisie Oui, eh bien, écoutez. Euh, il faut, euh, j'y reviens, euh, c'était le but de, de cette manifestation à Paris, réveiller ces, ces consciences qui sont encore assoupies aujourd'hui. Le réveil des consciences, hein, c'est parfait. Voilà, et, parfait. Il faut avoir le courage de. La colère et le courage, c'est ce que vous voilà, disiez en notre effet. Dé, afficher notre détermination à, à, à défendre. Notre héritage. Merci infiniment, euh, Général Martinez, et je compte sur vous pour euh, votre prochaine tribune euh, le mois prochain, c'est-à-dire le vendredi 2 février. Entendu. Merci infiniment, merci. Donc, euh, chers amis auditeurs, je vais, je vais rendre l'antenne. Je, je rappelle, pardon, que je recevais Pierre Hillard. Euh, nous avons parlé de, des sources du mondialisme, de l'idéologie mondialisme. Je recevais également Paul Lijan euh, à propos du Talmud dans un, une conversation passionnante euh, que nous avons intitulée « Le Talmud, cet inconnu ». Chers amis auditeurs, à, au vendredi 2 février. Ici radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de l'identité, dirigé par Henri Dubost, assisté d'Alissa Béranger, diffusé en direct vendredi 5 janvier 2018 de midi à 13h30 et réalisé par Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie 61 Boulevard Murat 75016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir à un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 Boulevard Murat.